Et bien bonjour à tous, les amis, c'est mon jumper, le cuisinier. Et je vous souhaite, les amis, la bienvenue dans mon restaurant Roblox. J'espère que vous allez bien, les amis. Écoutez, moi ça me tout nickel, comme d'habitude. Aujourd'hui, vous l'avez compris, les amis, on va ouvrir une fois de plus un nouveau restaurant complètement incroyable sur ce jeu qui ressemble énormément au fameux jeu Overcooked. Je ne sais pas si vous ne connaissez, c'est un jeu où bien sûr il faut faire la cuisine le plus rapidement possible, mais aussi le mieux possible pour satisfaire nos clients. Et les amis, regardez-moi ça. Comment ce restaurant est tellement stylé. Surtout, regardez, j'ai ma petite toque hein, sur la tête, hein, bien sûr, mon petit chapeau de cuisinier. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? En avant pour la cuisine. Et les amis, je vous souhaite du coup la bienvenue dans mon premier restaurant. Ok, oui, parce que bon, hein, il n'y aura pas qu'un seul restaurant, pas qu'une seule cuisine, les amis. Vous allez voir, ça va être complètement génial. Oh, il est tellement... tellement immense, c'est un truc de fou. Ok, donc du coup, regardez, comme vous voyez en haut à gauche, les amis, on a les recettes à préparer. Et là, apparemment, on va devoir faire une espèce de salade avec des piments. Très bien, donc du coup, alors j'ai bien tout ce qu'il faut. J'ai mes ingrédients, ma salade, que d'ailleurs, je vais aller couper juste ici. Voilà, comme ça, regardez, attention, hop. Eh, vous avez vu, je maîtrise hein, quand même. Et du coup, ça, on va la mettre directement dans l'assiette. Voilà, comme ça. Ensuite, il va nous falloir des espèces de petits piment vert ou du poivron, je ne sais pas. Voilà, c'est bon, hop, on les coupe. Voilà, et du coup on va se dépêcher de les mettre directement dans l'assiette. Voilà, c'est bon, normalement notre salade est totalement prête. Est-ce que je peux aller la poser, c'est bon, je peux la livrer, oui c'est bon. Ok, attention, maintenant il me faut une salade basique. Ok, j'y vais, vite, on coupe ça, allez, allez, on coupe la laitue. On la coupe, voilà, parce que oui, comme vous le voyez à droite, les amis, on a un chronomètre. Donc il faut se dépêcher, bien sûr, de livrer la bouffe. Oui, j'arrive, regarde, il y a le serveur là qui nous attend, tu vois. Ok, ensuite c'est pareil. Il nous refaut tout simplement de la salade. Allez, allez, on se dépêche, le feu jumper, le cuisinier. Bah là, je monte carrément sur le meuble, t'as vu. Je ne décode pas, voilà. Oh là là, ils enchaînent. Ils me demandent tellement de trucs. Oh, il y a une autre salade après qu'il va falloir préparer. Avec des tomates. Avec des tomates, vite, je cours. Voilà, c'est bon, j'ai encore, je suis dans les temps. Voilà, ensuite, c'est pareil. Il nous faut encore une fois de plus une salade. La salade, la fameuse salade. Allez, on la coupe. Voilà, je la mets directement, voilà, dans l'assiette. C'est parfait. Ensuite, les poivrons. Vite, les poivrons. Vite, j'ai pas le temps. C'est bon, allez, dans l'assiette. Vite. Regardez, en haut à gauche, il y a la barre du premier plat qui va partir. Voilà, c'est bon. Ok, j'étais dans les temps. Ensuite, la salade. J'arrive pas à la prendre. J'ai les mains qui glissent. Voilà, c'est bon. Ok, ensuite, il nous faut cette fois-ci une tomate, une grosse tomate. Vous avez vu la taille de cette tomate? Voilà, c'est bon, allez, on la met. Oh, j'aurais pas le temps de faire. Oh, j'aurais pas le temps, je passe le plat, sinon j'aurais pas le temps de faire le prochain. Voilà, il a l'air un peu plus important, c'est pas grave. Tant pis, il y aura un plat en moins. Voilà, je prépare une autre salade. Oh non, attendez, je vais déposer ce plat, celui-ci. Voilà, tant pis pour le premier. Voilà, je note celui-là d'abord. Tiens, voilà. Salade tomate oignon, c'est ça? Ok, attention, on a une... Oh, il y a une salade qui est demandée là, regardez. Il y a un plat juste avec une seule salade. On va en profiter, on va le donner tout de suite. Allez, plus vite, plus vite. Voilà, c'est bon, nickel. Oh, la prochaine, elle va être dure. La prochaine, elle va être vraiment dure. Voilà, c'est bon, ça, je peux le couper. Ah oh, bah, il me redemande une autre salade. Je fais quoi, je la fais ou pas? Attends, je vais la poser là-dedans, celle-là. Dans le doute. Ah, oh, j'aurai pas le temps de donner celle avec les poivrons et la tomate. C'est pas grave, on prépare le tout. Voilà, je pose ça là, comme ça, ça sera déjà découpé pour tout à l'heure. Ça tombe bien, regardez, il va nous falloir, hop, une salade avec les tomates. Vite. J'aurais dû prendre un mini scooter, ça aurait été plus vite, tu vois. Voilà, très bien. Alors, je vais donner ça direct. Regardez, voilà. Oh, là, j'ai deux plats de prêt, regardez. Parfait, allez, on y va. C'est bon, tu peux envoyer la commande. Vas-y, Michel. Ok, oh, regardez, c'est trop stylé ce plat. Regardez comment je tiens l'assiette, quoi. C'est mon assiette, tu vois, voilà, c'est bon, nickel. Ensuite, ça, non, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pour après, l'espèce de poivron, là. Voilà, vite, faut que je coupe. Allez, on coupe. Voilà, c'est bon. Tac, l'assiette. Allez. Et en vrai, on gère bien, quand même, hein. Franchement, on a loupé que deux plats depuis tout à l'heure. Voilà, allez, je coupe. Il faut savoir, bien sûr, les amis, qu'il y aura des restaurants qui seront beaucoup plus durs à gérer que d'autres. Hein. Pour l'instant, celui-ci, ça va. Hop, on est complètement tranquille. Allez, vas-y. Non, j'ai oublié de couper. J'ai oublié de couper la salade. On pourra pas la servir comme ça, voyons. C'est normal. Ok, après, il veut un plat avec une salade, une fois de plus. Ça devrait aller. Tiens, voilà, ça, c'est bon.
Allez, 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 on peut le faire. Il reste encore 40 secondes, les amis. 40 secondes. On y croit. Voilà, Fjordjumper, le meilleur cuistot. Le meilleur cuistot de Roblox. Voilà. Allez, c'est bon signe. Allez, je vais préparer une salade, parce qu'il y a toujours une salade. Toujours la salade. Allez, ça coupe, ça coupe, ça coupe, ça coupe. Voilà, je vais préparer une tomate. Dans le doute. Je sais pas si on va avoir besoin d'une tomate, mais bon. Dans le doute, je la prépare. Voilà, je vais mettre la salade directement dans l'assiette. Ah mais attends, c'est bon. Il propose plus rien. Il propose plus rien, les amis. C'est fini. Ça y est, on a terminé. Regardez, ils ont tous été servis. Regardez, il n'y a même plus de clients dans le restaurant, tu vois. Ils ont mangé trop vite. Et ben voilà, fin du chrono. Attendez, combien on va être noté? Oh, la petite note. Alors, reçu. Alors, les commandes. Oh, ouah, j'ai fait 12 commandes. Ah ouais, pas mal. 12 commandes sur 14. Du coup, j'ai terminé. Attention, 85%. Meilleur joueur. Oh, eh ben, yo, ça commence bien quand même. Franchement, pas mal du tout. Vraiment pas mal. Et ben voilà, on a obtenu du coup des petites pièces. Ah, sympa. Sympa. Ça, je me demande à quoi ça va nous servir. Est-ce que ça va nous servir à customiser notre personnage? C'est-à-dire à lui ajouter des vêtements, je ne sais pas, en tout cas. Oh, on a les 3 étoiles. Je crois que c'est le max. Et les amis, regardez, on arrive dans un nouveau restaurant. Waouh, mais c'est un restaurant dans l'espace. Oh, c'est une station spatiale. Oh, c'est tellement stylé. Oh my god, waouh. Ah ouais, ça c'est du resto. Non mais regardez la vue. On a la vue sur la Terre, quoi. Oh, waouh. Ok, donc du coup, alors attendez, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ici? Il faut qu'on fasse des espèces de soupes. Ok, ça roule. Alors des soupes de pommes de terre, d'accord. Donc je prends mes grosses pommes de terre, voilà, je les pose ici pour les couper, d'accord. Ensuite, là, je dois les mettre. Ah, je dois les mettre là-dedans, d'accord, directement dans le dans la marmite, tu vois. Ça doit être ça. Oh, ça a fermé la porte. Oh, comment je fais? Comment je fais pour sortir? Attends, genre je peux ouvrir là, ouais. Ok, attends, genre on peut pas Oh, c'est des portes qui s'ouvrent et qui se ferment, non. Regardez, c'est ça, ouais, regardez. Honnêtement, les portes, elles se ferment. Oh, le délire. Mais non. Mais c'est hyper chaud. Mais c'est hyper chaud de ouf. Alors attends, voilà, on va en profiter, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que il faut ramener plein d'aliments. Voilà, comme ça. Directement. Tac. Ah ouais, non, c'était pas les champignons, c'était des tomates. Non, faut que je rentre, faut que je rentre. Ouais, c'est bon, waouh, c'est chaud. Il faut qu'on aille d'un côté puis de l'autre et tout. Oh là là. Ok, donc du coup, tac, je mets mes petites pommes de terre bien coupées directement dans la marmite. Voilà, que je vais mettre sur le feu. Voilà, et là c'est en train de chauffer. D'accord, bah on va profiter, on va couper la tomate. Regardez, voilà, on va couper la tomate. Comme ça, on perd pas de temps. Voilà. Ok, là les portes vont s'ouvrir normalement. De toute façon, le temps que ça chauffe là, est-ce qu'il faut que je serre dans une assiette? Je pense que ouais. Alors attendez, la porte va s'ouvrir, voilà, c'est bon, la porte s'ouvre. Ok, on se dépêche. Voilà, vite, 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 ouais, c'est bon. C'est chaud, oui, c'est bon. Je la mets dans l'assiette. Voilà, parfait. Et je sers, regardez, la petite soupe. Yes. Waouh, c'était pas évident, mais pas évident du tout, en fait. Oh, voilà, la porte s'est refermée, mais déjà, mais ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite, en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les tomates. Voilà, dedans, directement. Okay, je sais pas si j'aurai le temps. Je ne sais pas du tout. Les amis, si j'aurais le temps. Alors attends, je vais changer l'assiette et mettre le chaudron là. Voilà, normalement c'est bon, là la porte là-bas. Elle va être simplement se faire. Oh, j'aurais pas le temps. Si, j'aurais le temps de faire l'autre soupe à la tomate. À la limite, regardez, là dès que ça va s'ouvrir, il va falloir se grouiller de prendre des tomates. On en prend masse. Regardez, 3 tomates. Et on va prendre des champignons. Vite, vite, vite. J'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps. Oh, c'est bon! J'ai le temps! J'ai le temps, les amis! Oh là là, c'était terrible! Oh là 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 là, c'était terrible! Ok, on coupe ça, vite, 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 vite! Voilà, je la coupe, je mets ça là-dedans. Ouais, du coup, j'ai loupé un repas, c'est pas grave! C'est pas grave, faut y croire! On peut y croire! Voilà, je mets ça là-dedans, tac! Oh là là! C'est terrible! Terrible! On aura à peine le temps de faire celle aux champignons au final, mais bon, c'est pas grave! On la gardera pour tout à l'heure! La soupe à la tomate! Oh là là! Cette soupe de l'espace, voilà, c'est bon. Bon, c'est pas grave, on n'aura pas le temps de faire ça aux champignons. Alors, attendez, j'en profite, je prends des tomates. Je prends des tomates. Vite, 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 j'aurai le temps. Voilà, c'est bon, non, parce que faut attention, parce que ça peut prendre feu. Ah, j'aurai pas le temps de faire les champignons. C'est pas grave. Et tac, voilà, au moins c'est prêt. Voilà, et comme ça, s'ils en veulent une, voilà, là, ça c'est bon. Non, c'est pas bon ça. Ça, c'est pas prêt. C'est pas encore prêt. Ouais, c'est bon, c'est prêt, ça a sonné. Vite, vite, vite. On veut une soupe à la tomate. Tiens, voilà, c'est bon, je l'ai donné, nickel. Il m'en faut une autre.
Il m'en faut une autre, j'aurais peut-être pas le temps de faire celle-là. Alors on profite, allez. Allez, allez, on se dépêche, de toute façon, là je peux pas faire autrement. Ah si, je peux encore prendre Ah, j'aurais pas le temps de couper. Attends, je vais rechercher les tomates. Trop de tomates. Beaucoup trop de tomates. Oui, c'est bon, ils veulent le soupe aux champignons. C'est bon, j'en profite, je la donne maintenant, regardez. Voilà, c'est bon. Ok, je coupe une tomate. Oh là là, je fais tellement vite. C'est n'importe quoi. C'est bon, vous avez vu, j'ai enchaîné avec la soupe aux champignons. C'était une bonne idée. Voilà, c'est bon, celle-là, ça chauffe. On en profite, on coupe. Allez, on coupe. Voilà, hop, allez, on met ça. Oh, je sais pas si j'aurai le temps de la finir. Vite, il faut que ça chauffe. Oh, ça cuit pas assez vite. Allez, tu coupes. La prochaine, c'est quoi? Je ne sais pas. C'est une soupe aux pommes de terre. Celle-là, je la fais. Oh là là, ça va cramer. Oui. Oui, c'est bon, je l'enlève. Voilà, c'est bon. Ça se passe. Ok. On met l'assiette. C'est pas grave, on n'a pas encore pour les pommes de terre ce qu'il faut. Mais bon, il nous en manque une. Mais bon, de toute façon, le temps qu'on met dans la casserole. Ouais, j'arrive. Vite, ça cuit trop vite. Faut pas que ça prenne feu. J'aurai le temps de prendre encore peut-être une pomme de terre. Je vais la mettre directement dans le truc là, voilà. Faut que j'interchange vite. Non, ça prend feu. J'éteins. J'éteins avec l'extincteur. Voilà, c'est bon. Fouf, j'ai été vite. Je vais peut-être enlever ça, vu que c'est prêt. Voilà. Je vais chercher des patates. Petites patates. Voilà. Encore une, vite. Oh là là, la porte qui se ferme, c'est tellement stressant. Et le restaurant d'avant, il était tranquille à côté de ça. Voilà, c'est bon. Ok, ça cuit. Voilà. Oh, fin du chrono. Oh là là, c'était ouf. Oh, c'était ouf. Je me demande combien de commandes j'ai fait. Ah, j'ai dû en faire la moitié. Ah ouais, voilà, c'est bon, j'ai fait au moins la moitié. C'est-à-dire que 50% des plats qui étaient demandés ont été faits. Franchement, par contre, là, si vous arrêtez pas la casserole en fond, ça va cramer, hein. Je vous le dis, ça va cramer quand même. Ah, ça va prendre feu, attention. Et voilà, ça, le restaurant, il prend feu, là, derrière, là. Au lieu de me donner le ticket, là, et ben voilà, et ben, les amis, on a quand même obtenu... Allez, combien d'étoiles? Une. Bon, c'est déjà ça. Au moins, on a fait la moitié. C'est pas mal, j'avoue, c'est pas mal. Et les amis, du coup, regardez, on se retrouve dans la rue pour préparer les meilleurs burgers. Oh là là, c'est trop stylé. Ça ressemble vraiment au niveau de Overcook, hein, quand même. Ils ont bien représenté le truc. Ok, donc du coup, on a 5 minutes pour préparer des hamburgers. Ok, il nous faut du coup, alors du pain. Est-ce qu'il faut couper le pain? Non, je pense pas, honnêtement. On peut le mettre dans l'assiette. Non, je pense qu'il faut... Attendez, on va le poser là. Voilà, comme ça. Il nous faut du coup de la viande qu'on va devoir cuire. Non? Est-ce qu'on peut le mettre... Quoi, on le met directement dessus? Ah, c'est là-bas, regardez, j'avais pas vu. Attends, l'extincteur, lâche cet extincteur. Voilà, ah, il y a les gens qui nous embêtent pour traverser. Donc on pose les pains ici. On va préparer du coup la viande qu'on va mettre, regardez, voilà, directement là. On va prendre plein de viande et on va les mettre sur les poêles. Et on va les mettre, regardez là. Voilà, comme ça, on aura plein de viande totalement prête. Le pain, je vais le mettre directement, ici, hein, il était très bien, là, voilà. Et il va nous falloir de la laitue. Voilà, du coup pour un premier hamburger. Voilà, on y va, on est parti. Ouais, j'arrive. Oh là, il y a tout qui est prêt là. Attendez. Oh, on se calme, voilà. Ouais, c'est bon, c'est prêt. Voilà, la laitue, elle est prête. C'est bon, j'ai mon premier burger. Regardez qui est prêt et je l'envoie. Voilà, yes, c'est bon. Ensuite, il nous en faut un autre avec uniquement de la viande. Donc ça, c'est pas trop dur. Oh là là, il me passe tellement de commandes. C'est un truc de fou, hein. Voilà, la petite assiette. Voilà, en vrai, on gère. Franchement, on gère de ouf. Voilà, on va remettre une petite viande à cuire ici. Waouh, vous avez vu la commande qu'on nous a demandé là? Non mais laisse tomber, ce burger là, il va nous prendre 3 heures. Ok, la petite tomate. Allez, ça coupe. On met ça là-dedans. Voilà, il nous faut le pain aussi également après. Ouais, j'arrive. Voilà, c'est bon, c'est prêt. Voilà, le pain, on va le prendre après. On va couper la laitue d'abord en premier. Allez, on coupe la petite salade. Là, c'est c'est un burger complet, là. Le fromage. Alors, le fromage, on va faire pareil. On va le couper. Waouh, le monde qui arrive, là. Il se passe quoi? Il y a un marathon ou quoi, les gars? Voilà, c'est bon. Je vais prendre... Oh, allez, ils sont là. Regarde. Regardez, ils m'empêchent de passer. Poussez-vous. J'ai du boulot, moi. Voilà, la viande, la tomate. Et regardez, ça y est, on a un burger complet. Allons, on le donne. Attends, je peux le donner. Il faut une assiette. Bah oui, c'est vrai que un burger sans assiette, on le mange pas, hein. C'est logique. Ok, donc du coup, ensuite, il nous faut de la viande. On va mettre... Non, sur la poêle, c'est pas évident quand même, mais j'y arrive. On va reprendre une autre viande. Regardez. Voilà, comme ça. Non, je veux la viande en dessous, en fait.
Donne la viande. Il veut pas donner la viande. Il veut pas. Voilà, c'est bon. La petite tomate. Ouais, j'arrive, je l'enlève. Voilà, comme ça. Oh, je vais tellement vite. Bon, à mon avis, j'aurais pas le temps de faire le sauveur là. Mais c'est pas grave. On va prendre la viande qui est prête. Non, on va pas la remettre sur un feu. On va prendre de la laitue à la place. On va prendre de la laitue. On va préparer l'autre burger qui est là-bas. Allez, la petite salade. Allez, allez, on coupe. Est-ce que j'avais le pain avec moi ou pas? J'ai pas l'impression. Alors, attendez, on va poser du pain là comme ça. Comme ça, on gagnera du temps. Voilà. Et là, du coup, donc c'était la fameuse laitue, la viande. Regardez, voilà. Parfait. Tac, tac. Et on va donner ça. J'arrive. Allez, je donne. Non, il faut l'assiette, c'est vrai, l'assiette. La fameuse assiette. Voilà, c'est bon, nickel. Ok, ensuite, il nous faut le pain pour... Il se passe quoi là-bas? Le pain, les tomates, la viande. Il nous faut de la laitue. Vous avez vu ce monde là? Il faut quoi là? Eh, vous jouez à quoi là? Bon, tu me diras, moi, tant que tu m'embêtes pas, c'est le principal. Hein. Voilà, hop, la laitue, nickel. La petite assiette. Parfait. Allez, on met ça là-dedans. Voilà, eh, on gère. Franchement, on se débrouille très très bien. Voilà, la petite... le petit pain avec la laitue. Voilà. Oh, les amis, c'est chaud. Ça va trop vite. Voilà, on met la laitue là. On va prendre le ping. Prendre celui-là, il est déjà prêt. Regarde, ça tombe bien. On va prendre la viande là, la laitue là, l'assiette. Oh là là, cet enchaînement de ouf. Cet enchaînement de ouf, les gens. Ok, voilà. La viande ici. Il nous faut ensuite le ping. On va en préparer un là. On va déposer là. Voilà, on va en sortir un là. On va prendre la salade. Et là, ça, j'aurai le temps de la couper. J'ai le temps de la couper. Je la coupe. Je la coupe avant. Et je la pose. Oui, oui, je sais, c'est prêt, ouais. Voilà, nickel. Regardez, le pain, c'est bon. La salade. Oh là là, je vais tellement vite. L'assiette. Fais oublier l'assiette. Voilà, c'est bon, nickel. Ensuite, repain, reviande. Je prends la poêle au passage. Voilà, parce que de toute façon, il faut que ça prenne le temps pour cuire. Et prendre la petite tomate. La tomate. Voilà, le pain ici. La tomate. Qu'on va se dépêcher d'aller couper vite, vite. On la coupe. On la met dans le pain. Allez, on prend le pain. On prend la viande. L'assiette. Oh là là. On est bon. On est très bon. Franchement, on gère de fou. Hein. Là, là, tranquille. Voilà, c'est bon. Reste 12 secondes. 12 secondes de fromage. Le cheese. On coupe le fromage. Tac. On le met dans le pain. Dans le pain. Allez, du coup, tiens, ça sera gâteau. Hey, c'est cadeau. Ça sera un pain au fromage. Et voilà. Oh là là. Et on a géré. Hein. On a loupé que deux commandes. Il me semble. C'est ça? Ouais, yes. Oh là là. Et franchement, on a géré, les amis. On était bon. Bon, heureusement, les gens nous ont pas trop embêtés parce que bon, ils essayaient de traverser. Et du coup, c'était censé nous gêner, mais ça y est, on a réussi. Ah non, regardez, ça prend feu encore là-bas, regardez. Regardez la cuisine. Dans le fond, elle prend totalement feu, c'est n'importe quoi. Et j'ai gagné 122 pièces. Et justement, on va tester un petit peu ces pièces. Regardez, voilà les amis, on va retourner justement dans le restaurant principal. Et en plus, vous voyez bien qu'on est monté au niveau 2. On est toujours plongeur, mais bon. Et du coup, on va pouvoir, regarder avec ces pièces, acheter des caisses. On va pouvoir acheter, regardez, une caisse basique. Oh, on peut avoir des trucs ordinaires, spéciales, rares et épiques. Allez-y, on teste. Qu'est-ce que c'est? C'est une coiffure? Ah, c'est bon, attends. Attention. Attention, là, qu'est-ce qu'on va débloquer? Oh, il y avait ma coupe de cheveux. Ah. Oh, je vais avoir... Oh. J'ai obtenu une coupe de cheveux. D'accord. Oh là là, stylé. D'accord, du coup, bon, on peut peut-être avoir de la chance d'obtenir notre coupe de cheveux, j'ai envie de te dire, mais... ok. Alors bon, ça va pas du... Non, ça va pas du tout avec moi, là. Non, j'aurais bien voulu avoir mes cheveux, mais malheureusement, ça sera peut-être pour une autre fois. Et bah écoutez, les amis, on va du coup s'arrêter là pour cette découverte de ce jeu incroyable de restaurant dans Roblox. J'espère en tout cas, les amis, que vous avez complètement adoré cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre bureau pouce bleu. Ça me ferait extrêmement plaisir, les amis, ainsi que vous abonnez bien sûr à la chaîne. Comme d'habitude, hein, ça me ferait très plaisir également. Et je vous dis du coup à très bientôt dans mon restaurant. Ciao les amis et bon appétit.